Hey, bonjour, ici Pasteur Timothée. Comment demeurer toujours vert, toujours en santé, hein? Jamais malade, toujours dans l'amour, la joie, le bonheur parfait, suprême. Encore faut-il y croire. Beaucoup de gens cessent de croire que nous pouvons être toujours comme cela, hein? Parce qu'on voit les choses d'un point de vue humain. Mais maintenant, on le sait, il faut garder les yeux en haut, là où Christ est. Dans Jérémie, chapitre 17, et à compter du verset 7, voici ce que Dieu dit. « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, et non pas dans d'autres choses. » Vous savez, c'est subtil, hein? On peut mettre notre confiance dans nos amis, dans nos familles, en nous-mêmes, dans nos pensées. Non, en l'Éternel, celui qui est depuis toujours et qui sera. Eh bien, et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Béni soit cet homme-là. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Verset 8. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Il ne cesse pas de produire du fruit. Ses feuilles restent vertes. Ça ressemble à ce que je disais au début. Toujours dans le même état d'amour, de joie qui nous habite. Toujours béni, toujours en abondance. C'est le message de Dieu pour nous. Et c'est celui qu'il faut avoir aussi, non pas seulement vouloir l'avoir, mais y croire. Hein, c'est une promesse de l'Éternel. C'est ce qui va arriver. Mais mets-tu ta confiance en l'Éternel. Et d'abord en lui, j'allais dire. Et non pas en plus, tous les autres. Elle n'est qu'en lui. Dieu va t'amener des gens. Dieu va t'amener de l'argent. Dieu va t'amener ce que tu as besoin pour rester vert. Toujours béni. Toujours béni émotionnellement. Toujours béni spirituellement. Toujours béni matériellement. Financièrement. Voilà le message que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Et moi, je le fais d'abord pour ma propre vie. Je te laisse là-dessus. Relis les versets. Crois-les. D'accord? Je t'aime. À très bientôt. Au revoir.